Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Marwa qui est toute zébrée, ma jolie. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, et les petites choupettes! Regardez-moi ces petites pépettes. Ah! Alors, on va commencer déjà, Marwa. On va te faire prendre un médoc parce que... Oh, je ne vois pas. Là, il y en a. Allez, tu vas me prendre un petit médicament. Calibou. On dirait une toile que tu pourrais avoir dans la chambre de ta fille. Tiens, tu vas admirer ton nouveau bien et tu vas le vendre. Ça nous fera un peu de sous en plus. Oh, les petits machins! Vous êtes trop mignons, les pépettes. Calibou, comment il va? Il va manger un coup? Est-ce que tu veux manger un coup? Il veut bien manger un coup. Est-ce que tu veux aller... réparer la douche, puisqu'apparemment quelqu'un l'a cassé. Ah non, toi, hein. Tu vas pas jouer dans l'eau. Alors là, ni boire, ni jouer, ni rien du tout. On va commencer ton éducation, saloperie. C'est laquelle? C'est Athéna. Ah, Apollon, il va pas trop. Qu'est-ce que t'as, Apollinous? Oh, Fifi. Oh, mon petit garçon. Apollon, il est comment? C'est quoi ses traits déjà? Nerveux, prédateur et gâté. Oh, finesse. Alors, elle est joueuse et nerveuse, Aphrodite, et nerveuse, amicale et folâtre. Putain, mais elles sont tous nerveux. Pourquoi ils sont nerveux? Ils sont comme leur père. Joueuse, amicale et folâtre. Ouais. Où est-ce que je suis, là? Où est-ce que vous m'avez mis? Marwa, précise médicaments. D'accord. Pas la peine de t'énerver comme ça, Marwa. Tu vas vendre ta toile. Voilà, et tu vas m'en faire une autre. Confiante, allez, vas-y. Calibou, il a fini de réparer. Tu vas jeter, tu vas essuyer. On est bien comme ça. On a la maison qui est propre. Apollon, ça va toujours pas. Est-ce que tu avais faim, Apollinous? Ouais, peut-être. Oh, une chouquette! C'est trop mignon. Oui, je pense qu'il avait faim. On est lundi, il est 6h du matin et notre petite Azénor va aller à l'école. Elle va pas tarder. Je crois que c'est son premier jour d'école, hein, je suis pas sûre. Et elle a fait ses devoirs, elle a niveau 2 dans ses compétences. D'ailleurs, c'est dans quelle compétence? En faculté motrice. Oh, créativité et tout. Oh, bah dis donc. What? Faculté sociale 7. Oh la vache. Pourtant, j'ai mis artiste. Je sais même pas comment elle a gagné tout ça, sachant que on n'a pas fait de dessin ni rien, donc tout va bien. Calibou! Calibou! Ah bah oui, tu devais prendre ta douche. Alors attendez. On va prendre une douche du coup. Vas-y, va te faire tout beau, va prendre ta petite douche. Oui, il est tout nu, on regarde pas. Et Marwa, elle fait sa toile. C'est parfait. Voilà, les cours commencent dans une heure. Mais je vais la laisser dormir parce que de toute façon, tout le reste est bien dans le verre. Elle a pas besoin de... Elle est bien. Je vais la laisser dormir. Calibou, tu t'es changé. Toi, tu mets un pull en plein été. Ok. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu vas nous refaire une toile? Une toile confiante. Oh, ils font des bisous, mes chers mignons. Toi, t'es contente, t'as une toilette... D'ailleurs, il n'y a plus de bruit dans mon... C'était réparé. C'est parfait. Tu vas nous vendre ta toile. Voilà. Et tu vas nous en refaire une dans la dans la foulée. On va faire ça. C'est très bien. Bon. Cocotte. Je vais te lever quand même. Vas-y. Tu dois être concentrée avant d'aller à l'école. On va te faire aller sur Simpedia. Tu vas aller sur Simpedia. Y'a pas? Site internet pour enfants. Ça va être très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on vient d'avoir un spectacle. Ben, nous. Qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêche-toi, Zénor, là. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu mets deux heures à descendre des escaliers? Je sais qu'on habite une grande maison, mais quand même. J'entends les fifilles.
Qu'est-ce qu'elles ont les pépettes? Oh. Ça marche pas. Oula! Elle plongeait dans le parquet, la petite là. Athéna, elle plonge dans le parquet. Qu'est-ce qui t'arrive, Fifi? Comment elle marche, c'est trop mignon. Elle est partie faire un tour. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est sale dans la maison, cocotte? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison qui est sale, qui pue? Bah écoute, va-t'en, hein, si tu trouves que ça pue dans la baraque, va ailleurs. Hein. Bah, je sais pas. Ah! Attendez! Il est en train de jouer avec sa fille, c'est trop mignon! Tu vas réviser assidûment, ma petite. Bah, du coup, tu vas la vendre, 268. Et dès que Marois l'a vendue aussi, tu mangeras. Enfin, t'auras fini, tu mangeras un coup. Voilà. Et tu vas vendre ta toile. 1236, c'est parfait. Et on va aller faire un petit tour chez les Bad Challenge pour aller voir la petite de Céline. Le petit de Céline, la petite Céline, oui. Oui, ah oui, c'est ça, bah, allez. La petite Céline qui est née. Calébou, hop. On va aller voir à quoi elle ressemble. La fille de Rieko et Gaston. Et voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on est quoi? On est nuageux et chaud. Ah, il risque d'avoir des orages. Zout. Bah, tu vas frapper à la porte. Ton ancienne maison. Ah, ça fait toujours bizarre de revenir ici quand même. Salut Angélique! Comment vas-tu? Faire connaissance. De toute façon, tu connais déjà ta sœur. Hein. Bah, Caleb, tu peux venir à la maison. Hein. Voilà, l'ancienne maison du Battle Challenge. Nous cherchons le bébé. Bébé, où es-tu? Ah bah ils ont squatté la chambre de Steven finalement, les amoureux. Mais il est où le bébé? Ils ont fait du bébé. Ah il est là! Mon dieu, j'avais pas vu. Marois, tu peux du coup parler à la petite? Tu peux la bercer. La serrer dans tes bras, voilà. Ta nièce? Tu l'as réveillée, je crois que ça lui a pas plu. On a reçu les sous des bouquins. Parler. Quelle tête! C'est Céline, hein, ça, Céline Tanaka. Va nourrir au biberon. Je crois que tu l'as réveillée, qu'elle dormait bien et tout. C'est pas grave, on dira pas que t'es une mauvaise mère. Hein. Oh, regardez, une toile faite par Marois. Oh, une toile faite par Marois. Oh, une toile faite par Marois. Ça, c'est Angélique qui l'avait découverte, je crois. Ouais. Oh, encore une toile. Oh, avec Jean-Kev, 1300. Putain. 290. 1146. Contempler ensemble. Ouais. C'était sympa, hein. Voilà, alors la petite, ça va mieux, elle va moins râler là. Bon, Calébou, tu te souviens de la maison. De toute façon, t'avais déjà été dans le coin et tout. Toi, les bouquins, t'as toujours été copain avec les bouquins, ça. On est OP là-dessus. Ah, bah ça y est, tu peux changer la couche de la petite. Tant qu'à faire. Et alors, j'ai un plan, j'avoue. On va la changer d'âge déjà, la petite. Comme ça, voilà. On va avoir cheveux noirs, cheveux bruns. Je pense que c'est plus cheveux noirs parce que... la coupe de cheveux de Gaston... Ah ben voilà, ça ressemble à un garçon. La coupe de cheveux de Gaston étant un CC, en général, ils prennent la couleur de l'autre cime. On dirait un garçon, c'est horrible. Mais un joli garçon. Oh, c'est trop chou. Après, j'avoue que je serais tentée de... Ah! Il y a un enfant qui vole! Il y a un enfant qui vole! Au secours!
y a un enfant qui vole. C'est débile, mais ça me fait rire. Hé hey ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais elle est déjà partie, Marois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais elle est buggée! Oh là là! Le jeu le plus buggé de l'univers, les Sims. Alors non, j'ai pas pour projet d'embarquer l'enfant, hein. Je sais pas pourquoi elle se balade avec, hein. Poser Céline ici, voilà. Céline, elle va faire sa life. Céline, elle vole. Oh, regardez. Céline, elle vole. Tu peux pas! Ah, mais vous me cassez les pieds, hein. Dès qu'elle prend un truc, Marois, elle déconne. Hein. Est-ce que tu peux manger la petite? Non. Présentation amusante. Non, mais en fait, elle est buggée. Elle torte la petite. D'accord. Bon, je vais la réinitialiser tout de suite. Hein. Bah, ça y est, ça a enfin marché. Présentation amusante. Qui c'est qui est quoi? Mais non. Tu vas te présenter aussi amicalement à ta nièce, Calebou. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Oh, il pleut dehors. D'accord. Hé, hey, choupette. Et donc, j'avais un plan, je disais tout à l'heure. Où est-ce qu'ils sont tous les adultes ici? C'est la foire à quoi, hein. Ouf, oui. On va les réveiller peut-être nos vampires là, non? Bien réveillé. C'est beau ça. Avec l'ancienne chambre de Marois. J'ai un plan. Parce qu'on va faire un cadeau aux jeunes parents. On va... Tac, tac. Demander de vivre ensemble. Alors vous inquiétez pas, je vais voler personne. Allez, dépêchez-vous. Bah la petite est déjà montée dans la chambre. Elle va réveiller son père. Tout va bien. Après c'est pas moi qui gère, hein. Ça je m'en fous. Voilà, on va vivre ensemble, du moins, vous inquiétez pas, il ne va pas avoir de nouveaux Sims dans la maison. Vous voyez qu'on a quand même un peu pas mal beaucoup de chats. Donc en fait, on va se débarrasser d'un chat. On va donner un chat à Rieko. Rieko, dans son aspiration, elle adore les chats. Mais quelle horreur. Ah, mais elle est au boulot, Angélique, d'accord. Donc ça fait que nous, on sera plus que 6, parce que j'ai pas forcément envie de me débarrasser ni de Nabeshima ni Apollon, puisque quand même, c'est pas gentil de mettre de vivre à Apollon. Et je veux garder un des bébés. Voilà. Et puis comme ça, bah... Céline, elle a les yeux de sa mère, je crois. On verra bien comment elle grandit, en tout cas. Oh là 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 là. Alors en fait, on a acheté un appart, mais on doit quand même payer les factures. Non mais... Ça va bien, oui. Décoration qui... Ok. En tout cas, il y a de l'orage. Oh, punaise, le loup Gaston! Donnez des conseils d'éducation, vas-y. Et donc, maintenant, ils ont une petite chatoune, hein, qui doit se balader dans la maison, je sais pas. Elle est là! Oh, Fifi! Salut Aphrodite, on te souhaite une belle vie chez les Bad Challenge. C'est Rieko qui va être contente d'avoir une pépette à la maison. Tchou 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 tchou. Voilà, mets-toi à l'abri, cocotte, parce que... Bon, bah, après, évidemment, ils ont rien pour nourrir la petite la chatte, mais c'est pas grave. Après, c'est tous des vampires dans cette baraque, maintenant. Oh! Gaston qui joue avec sa fille, c'est trop chaud. Tu peux parler avec Rieko, mais si c'est déjà une de tes amies, tu vas éliminer la journée. Raconte une blague. Voilà. C'était pour ça, moi, que je voulais juste aller... Elle est triste, mais pourquoi elle est triste? Pourquoi es-tu triste? Par contre, faut pas qu'on oublie de rentrer avant que Azenor rentre de l'école. Putain, mais l'orage dehors, au secours, quoi. Bah, essayer de réconforter, voilà. Ma copine, pourquoi ça va pas? Mais Gaston, il me fait peur, il est en vampire, c'est affreux. Ah, ça va pas non plus, qu'est-ce qu'ils ont? Quelqu'un qui est mort? Monsieur Steven, il est mort depuis un bout de temps. Hein.
Le ventre, quoi, on dirait qu'il attend un gosse aussi. Il est en geôleur, Caleb. Ouais, il va raconter une histoire drôle. Voilà, ils se sentent mieux. Ils se sentent mieux. Bah, c'est parfait. Oh, la petite. Ouais, il minait la journée, la petite. Donner un bain. Non, et puis tu vas pas la prendre dans tes bras parce que ça va être le bordel après. Tu vas pas savoir te la décoller. Faire connaissance. Voilà. Ah oui, je voulais changer l'apparence de... vampire. Contrôler des cimes. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça. Provoquer une hallucination. Ok. Elle est indépendante, la petite? Peut-être. Oui, elle est indépendante, parce qu'elle a fait le bam 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 bam, et ça, c'est typique. Oh, retour de l'école! Bon, bah, les gens, on va y aller, hein, c'était sympa. On rentre, parce qu'on a notre fille qui nous attend. Vite, plus vite que ça. Oh! Ah, c'était mignon, ça. C'était trop mignon. Voilà, ils sont rentrés. Azenor, elle est rentrée aussi. Azenor, qu'est-ce que tu fous en pyjama? Non, cocotte. Tu vas utiliser les toilettes. Tu vas te prendre une petite douche. Ça suffit, la télé. J'ai entendu parler de ta récente amitié avec Marum. Ouais, c'est Marum, en fait. Donc, encore heureux. Encore heureux, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, on va payer les factures, hein, puisque nous sommes propriétaires de notre appartement, mais on doit quand même payer les factures. MC Côte Triche. Humaniser tes ennemis. Ah, c'est pas mal, Luke. Changer l'heure du monde. Modifier toutes les tenues. Exécution, nettoyage des tenues. Sur tous les signes. Configurer. Je découvre le MC Commander que je ne connaissais pas. Non, mais voilà. Tu sais quoi, tu vas bosser, Marois, parce que là, il faut qu'on rembourse tout ce qu'on a dépensé. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? On va demander à Athéna. Ben oui, elle a plus sa soeur jumelle, hein, j'avoue. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Ben, ça va pas non plus, il y a aussi Nabeshi, moi, qui va pas bien. T'as faim? Mais cocotte, il y a à manger! Display animal. Athéna. Mais il y a bouffé là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Voilà. Allez, reprends ta toile classique. Azenor! Azenor, t'as pas été aux toilettes comme je t'ai demandé! Tu te fous de moi? Allez, pipi. Oh, cette petite choupette là qui mange. Et après, tu vas ouvrir le frigo. Il y a 15 000 trucs à manger. Tu vas prendre une part de gâteau. C'est ta faim. Et après, tu feras tes devoirs. Ah oui, c'est vrai qu'on a les photos de la petite. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là encore, lui? Quelqu'un a envie de faire d'exercice? Je suis là pour vous motiver. Eh bien, cette fois-ci, on va dire oui. Salut Stéphane, acceptez de s'entraîner. Voilà. Tu mangeras un coup, Caleb? Bah, ou en même temps, comme tu veux. Putain. Eh, j'en ai marre. Hein. Réparer la plomberie. Non mais, Azenor, quoi. T'es la seule qui utilise les toilettes et t'arrives quand même à les casser. Je sais pas comment tu fais ton compte. Ça va pas du tout. Hein. Oh là là, j'en ai marre. Téna, ça va toujours pas. Je sais pas ce qu'elle a. Je voulais faire quoi, moi? Oh, putain, mais non, mais... Viens ici, Mais... Non! T'as qu'à venir, Lilith! On va l'appeler. Celle-là, elle me casse les bonbons. Hein. Groupe. Lilith. Vas-y, viens, Lilith. Tu devais manger, Caleb, là. Tu te fous de moi, hein. Tu manges pas ce que je te demande de manger. Alors, les photos de la petite. Voilà, pendant qu'elle mange... On retourne. Mais non, là, je voulais aller dans la chambre. Voilà.
À la chambre ici. La chambre et les photos de Cocotte. Voilà. Bon, c'est pas GG. On va ajouter un cadre. Est-ce qu'on peut... non, c'est seulement dans le mode construction. Ok. Bon, on a une photo de notre fille. C'est pas la meilleure photo, je pense, de l'univers. Voilà. Moi, je mettrai mieux ça plus tard. Notre photo de notre fille ici. Ça, c'est une photo, un truc de Marois. Ouais, c'est... Non, de Caleb. C'est un truc de Caleb. C'est trop mignon. Caleb, il fait des petites toiles pour sa fifi. Eux, je sens qu'ils vont se faire des amours, des mamours. Bah voilà. Tu vas venir ici et tu vas faire de l'exercice. Tu peux pas faire d'exercice en fait, si. Discuter des techniques d'entraînement. Et en fait, il peut pas. Il est enjôleur. Mais je t'ai dit de parler des techniques de machin. T'es chiant. Les techniques d'entraînement. En fait, il peut pas faire de... Il peut pas faire d'entraînement... Enfin, des trucs énergisés, j'ai l'impression. Hop. Marois. Tu vas remplir la gamelle. Ah, mais taisez-vous. La litière, ça va pas. Oh, putain, vider la litière. J'ai pris un truc automatique, mais ça fonctionne pas. Oh là là, toutes les crottes. My god, on dirait la litière que j'ai chez moi. Moi, j'ai que deux chats, hein, mais... Voilà. Vas-y, va changer la litière. Elle fait ses devoirs. Oh, elle a fait ses devoirs dans le patio. Elle a déjà tout fait ses devoirs. Bah, dis donc, Azenor. Non, tu vas pas dormir maintenant. Il est 18h44, Cocotte. Tu vas pas dormir maintenant, non? Ça va bien. Tu vas... On va améliorer tes skills. On va te faire de toi une petite fille sage. Tu vas jouer au docteur. Non, c'est pas la bonne touche. Tu vas jouer au docteur. Et tu vas jouer à la poupée. C'est bien. On est bien comme ça. Tu seras une gentille fille dès que ton petit frère ou ta petite sœur arrivera. Ah, c'est vrai qu'avec le MC Commander, je peux savoir si Marois va avoir un garçon ou une fille. Mais je pense qu'on va attendre de le voir nous-mêmes. D'avoir l'accouchement comme ça, ce sera vraiment surprise. Ah, et puis en plus, là, ça y est, elle va bientôt accoucher. Donc, je sais plus à quelle heure elle était tombée enceinte. Tu vas montrer les photos. Raconter une histoire incroyable. C'est bien qu'ils étaient assis, ça faisait vraiment comme à la maison, quoi. Enfin, une vraie... Une vraie réception de personnes. Parler du temps nuageux. Ouais, aujourd'hui, j'avoue. C'est pas GG. Mais tu t'es changé? Mais t'étais déjà comme ça tout à l'heure? Oh, je sais plus, moi. Je ne sais plus, j'avoue. Tu as aimé la journée. Elle fait son truc. On va regarder ses compétences. L'empathie qui monte, les manières un petit peu, résolution qu'on vient un petit peu. Bon. Contrôle les émotions, c'est pas voir ça. Tu vas jouer avec ta petite chouette alors après. Non, pas mettre dans l'inventaire, c'est pas ce que je voulais faire, c'était jouer avec émotion. Là. Voilà ma pépette. Ok, belle Azenor. Alors. Ah, mais arrêtez, sérieusement, vous me cassez les burnes, hein. Ça doit faire elle. Effectuer 10 activités de groupe. Ah ouais, quand même. Va manger. Bonjour, je m'ennuie. Mais tu viens d'arriver, gars. T'étais là il y a 2 secondes à la maison. Qu'est-ce que tu nous fais? T'es bête ou quoi? Voilà, tout le monde boit un coup. Ça fait du bien. Tu vas vendre ta toile. 812 simflous. Non, 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 non. Ça suffit, les verres d'eau et compagnie, là. Non. Mais arrêtez de faire des mamours, toile enjôleuse. Allez, zou. Et toi, tu vas faire une toile pop art de 100 simples. Oh non, il veut préférer jouer au basket. Ils sont trop rapides, ces sims. Beaucoup trop rapides pour moi. Ah, on a encore reçu les trucs. D'ailleurs, faudrait voir si on l'a vraiment reçu.
Oui, prendre le courrier. On va aller voir, on va recevoir des sous, enfin des trucs à ausculter là et on va. Ça va être bien, on va gagner de l'argent. Compétence 7 de peinture pour comme pour Caillebout, hein, quand même. Ça monte, hein. Il va être aussi fort que sa femme. Alors, ça y est, Caleb à tout prix dans la boîte aux lettres. Voilà, il y a des trucs à authentifier. Alors, authentifier un objet ancien. Alors, il a deux vases seulement. Bon, ce sera toujours ça de fait, hein. Bon, les petites, je sais pas ce qu'elles ont, mais elles crient tout le temps, les chattes. Viens t'asseoir ici. Et proposer son amitié. Elle doit être sur le canap. Ah, d'accord. Effrayé. Raison, chat nerveux. Bonne amie. Je suis très bien. Tu peux la caresser. Faire connaissance. Ah ah. Nabeshima et Apollon. Le couple de petits chats. Bon, je pense qu'il va dormir, lui. Il tourne sur lui-même. Pouf! C'est marrant. J'aime bien, ils ont vraiment bien bossé le comportement des chats et tout, les trucs trop mignons. Tu vas raconter une histoire. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Voilà, après, Zénor est parti se coucher. On va faire en sorte que Caillebout finisse son truc et puis après, on pourra manger! Toi aussi, Marouane, n'oublie pas de manger. Et puis, ce sera pas mal. Alors, objet authentique. Cool, tu vas pouvoir le renvoyer, tu vas admirer ton nouveau bien et surtout tu renvoies l'objet ancien. On va voler la thune. De la bonne thunasse. Et hop, tu vas refaire un petit vase comme on t'a envoyé. C'est marrant, tu vas en profiter pour vendre l'étoile. Il nous faut presque 1000 simflouz de plus, petit machin. Elle va grandir, elle, au bout d'un moment. Tu peux ranger ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux jouer avec un pointeur laser, comme ça? Oh, elle aime bien jouer au pointeur laser. Laser. Je suis pas sûre qu'on ait joué à ça avec toi encore, Apollon. C'est rigolo. Bon, après, 3h du mat. Je sais que les vampires ne dorment pas, mais là, on est obligé de reprendre un cycle de vie un peu normal, puisque nous avons une enfant qui, elle, doit aller à l'école. Caleb, on va bientôt savoir si son truc il est authentique. Et voilà, c'est encore authentique. Et on va renvoyer l'objet ancien. Oh, voilà 3797 simflouz. Qu'est-ce que tu fais? Il joue. D'accord, ok, très bien. Bon. Est-ce que tout le monde va bien dans la maison? Dans le meilleur des mondes, tout va bien. Nabeshima est là. Apollon est là. Pépounette Athéna est là. Arzenor. Elle dort. Caillebout, tout ça. Bon, bref. Oh! Bon, bah allez. Chantez-vous des petits trucs d'amour. T'as raison. Vas-y, Caleb. Non, vas-y, Caleb. Assume. Assume. Chante-lui une chanson. Jouez la sérénade. Allez. Qu'on entende ton beau brin de voix. Et après, moi, c'est sur ces jolis chants d'amour que je vais vous laisser pour cet épisode. Je suis un peu buggée quand il chante. Hein. Et j'espère qu'il vous aura plu. Prochain épisode, ce sera la naissance du deuxième Nubu Bavatore. Donc, n'hésitez pas à venir voir ça. Moi, je vous embrasse très fort en attendant et je vous dis à bientôt. Allez, salut.